Et salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les vaisseaux donc de minage. J'avais fait une vidéo donc sur le minage où je vous parle donc du Venture, hein, le vaisseau de base du jeu, le vaisseau avec lequel on commence pour aller miner. Et donc là je vais vous parler donc des vaisseaux avancés du jeu pour pouvoir aller miner, donc qui vont être utilisés uniquement si vous les avez le statut donc Omega, donc si vous payez pour jouer à EVE Online. Donc on va commencer par donc les frégates d'expédition. Donc peut-être que lorsque vous allez avoir fini avec votre venture, dès que vous allez passer au statut Omega, vous allez peut-être avoir envie de passer avec des vaisseaux avec des soutes donc d'extraction un peu plus importantes. Donc bah, je vous conseille donc ces deux vaisseaux-là, alors même s'ils n'ont pas tout à fait la même utilité, on va voir pourquoi. Donc les frégates d'expédition, ce qui vous permet d'avoir voilà, un vaisseau pas trop cher. Donc là on est autour de 18 millions. Et ça va vous permettre donc d'avoir un vaisseau donc de minage avec une capacité, donc vous voyez, capacité de la soute d'extraction 19 000 m3. On est bien au-delà des 5 000 m3 du Venture. Et avec ce vaisseau-là, donc vous allez pouvoir les miner. Alors principalement avec ce vaisseau-là, dans les systèmes de haute sécurité, il n'y a pas trop d'avantages si ce n'est d'avoir une soute d'extraction donc plus élevée. Et si jamais donc vous voulez miner dans les systèmes de base soute sécurité nulle, je vous conseille le Prospect. Alors le Prospect, j'en ai un ici. Donc ce vaisseau-là, si vous voulez, il a la même. Alors déjà, il a le même aspect, peut-être un peu plus stylé, mais le même aspect que le Venture. Mais il a surtout donc une soute d'extraction un peu plus élevée. Donc il a une soute d'extraction de 12 500 m3, donc quand même un peu plus supérieur à celui du Venture. Mais surtout, il a le gros avantage, on peut l'équiper. Avec, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, donc si je vais dans équipement, vous pouvez l'équiper avec un dispositif de camouflage Opération Secrète 2. Et avec ce dispositif de camouflage, contrairement aux autres dispositifs de camouflage, par exemple sur mon, ben, je vais aller donc sur mon badger, j'ai le dispositif de camouflage amélioré 2, qui est un dispositif de camouflage qui me permet juste donc d'être camouflé pendant 15 minutes. Mais dès que je vais me déplacer, bouger le vaisseau, le camouflage va s'enlever. Tandis que l'avantage du prospect, c'est qu'avec ce dispositif de camouflage-là, vous allez pouvoir être camouflé en vous déplaçant. Même en vous déplaçant. Mais attention, pas en minant, uniquement en vous déplaçant. Une fois que vous allez commencer le minage, vous n'allez plus être camouflé. Donc il va quand même falloir rester attentif, mais ça vous donne quand même un gros avantage pour arriver dans les ceintures d'astéroïdes, voir un peu ce qui se passe. Avant de miner. Mais il faudra quand même toujours, comme la vidéo que j'ai faite donc sur le minage en basse sécurité, toujours être très attentif sur les joueurs qui vont arriver sur vous. Donc voilà pour les frégates d'expédition. Et une fois que vous allez avoir plus d'argent, donc vous allez pouvoir passer au vaisseau donc de minage avancé du jeu, donc les barges d'extraction minière, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, c'est vraiment les vaisseaux donc de minage avancé donc dans EVE Online. Mais alors là, le prix n'est pas le même, hein. Donc, on a vu que pour les frégates, on était autour de 18 millions. Là, on va être autour de 60 millions. Mais par contre, vous allez voir qu'on va avoir une capacité, là, donc la soute d'extraction qui va être encore plus importante. Donc, vous voyez, par exemple, pour le Retriever, on va avoir une soute d'extraction donc à 27 500 m3. Donc là, ça va vraiment vous laisser le temps de pouvoir miner tranquillement longtemps. Mais encore une fois, ce vaisseau-là est adapté plus au système de haute sécurité. Il a une très grosse donc soute d'extraction, très grosse capacité, mais il n'a pas d'autre avantage. Tandis que les deux autres ont deux avantages pour aller donc dans les systèmes donc de sécurité plus faibles. Alors je vais d'abord parler du Covetor. Alors le Covetor, il a une capacité de soute d'extraction donc bien plus faible, mais par contre il a l'avantage donc de pouvoir miner bien plus rapidement que les autres vaisseaux. C'est-à-dire qu'il va miner bien plus rapidement que le Retriever et que le Procureur. Et ça va lui donner un gros avantage donc, pour aller dans les systèmes donc, un peu risqués, pour pouvoir vite prendre les ressources qu'il lui faut. Ou alors miner en corporation avec plusieurs joueurs, avec où il y aura un Orca autour qui va vous permettre donc, de prendre vos ressources. Vous allez pouvoir miner bien plus rapidement avec ce vaisseau-là. Et ensuite, vous allez avoir donc le procureur qui va, quant à lui, avoir donc une capacité de soute d'extraction
un peu plus importante que le Covetor, mais un peu moins importante que le Retriever. Mais celui-là va vous permettre donc d'avoir de tanker plus en cas de combat. Il va avoir beaucoup plus de points de vie que les deux autres. Donc voilà, donc après en fonction de ça, bon bah c'est à vous de voir un peu ce que vous allez choisir, ce que vous allez faire. Mais voilà, c'est surtout en fonction de ce que vous allez faire. Si vous êtes tout seul en système de sécurité, ça va être le Retriever. Système donc sécurité plus basse, si vous voulez tanker plus fort, donc ça va être le procureur. Et pour pouvoir aspirer plus rapidement, ça va être le Covetor. En sachant que donc le laser d'extraction, donc pour ces vaisseaux-là, les barres d'extraction de mer n'est pas le même que pour les autres vaisseaux. Vous allez utiliser donc un laser d'extraction intensive. Hein, pour les trois là, qui va vous permettre de miner encore plus rapidement. Et malgré ce laser d'extraction, donc le Covetor va quand même vous permettre de miner plus rapidement que les deux autres. Donc voilà, en fonction de ça, bah, vous allez faire votre choix. Et en général, bon, on commence par la frégate d'expédition, et ensuite on passe sur les barges d'extraction minière. Donc les barges d'extraction minière, c'est le nom que le jeu a choisi pour ses vaisseaux de minage avancés. Bon, voilà, donc en fonction de ça, bah, je vais vous laisser faire votre choix, et puis jouer au jeu tranquillement. Voilà, allez, bon jeu, à la prochaine, salut!